Yosh tout le monde, vous êtes bien sur Ducha Channel et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un tout nouveau let's play sur Tomb Raider Anniversary, mais c'était écrit en dessous donc vous en doutiez. Alors Tomb Raider Anniversary qui est donc un remake du tout premier Tomb Raider si vous ne le saviez pas, fait par Crystal Dynamics en 2007 je crois. Crystal Dynamics qui a donc, excusez-moi, repris la licence quand celle-ci était en train de péricliter, hein. Ça marchait plus et donc ils ont repris la licence, ils ont fait ce qu'on... Et ils en ont fait ce qu'on sait aujourd'hui avec le reboot qui est sorti en 2013. Donc on va créer un nouveau profil. On va pas l'appeler profil 1. Hein. Donc comme Duchesse c'est déjà pris, on va prendre Duchesse Croft. Là. J'aime l'originalité. Et c'est parti, je vous dis à tout de suite après la cinématique. Ah, pas tout de suite, attendez. Saisir manuellement, non. Ok, c'est parti. Dis-moi, que faut-il faire pour attirer ton attention de la sorte ? Si c'est le genre d'attention que tu cherches, Larson, je t'assure, ne change rien. Une autre fois, peut-être. Je suis venu te présenter quelqu'un. Lara Croft, voici Jacqueline Natla, de Natla Technologies. Bonjour, mademoiselle Croft. Mon département de recherche se penche depuis peu sur l'étude de reliques antiques. Et je pense qu'avec la motivation adéquate, vous êtes à même de les trouver pour moi. On vous aura mal renseigné. Je ne joue que pour le sport. C'est précisément ce qui m'amène, Miss Croft. Un jeu auquel vous avez déjà joué, avec votre père. Vous avez l'un et l'autre recherché en vain le sion de l'Atlantide. Il vous aurait pourtant suffi de trouver la tombe de Qualopec. Vous avez trouvé Vilcabamba ? Une excursion au Pérou, ça vous tente ? Ouais, on va au Pérou. Je sais pas si vous avez vu, mais moi, le seul truc que j'ai remarqué, c'était ses ongles. Je dis là, putain, les ongles vachement longs. Vilcabamba reste introuvable. Je m'entête à poursuivre dans une voie qui jusqu'à présent s'est révélée stérile. Je soupçonne Jenkins d'être à l'origine de cette sédition. Il refuse catégoriquement d'admettre que l'Atlantide puisse être à l'origine de toutes les civilisations connues. Peu à peu, je m'aperçois que seule Lara dispose de l'ouverture d'esprit indispensable pour pouvoir affronter cette vérité. Ce n'est rien, je trouverai un autre chemin. Salaud. Ok. Ok, alors. Ok. Appuie sur espace. Non, je suis en train de jouer avec une manette, mais je crois que il a pas tout compris. Ok, je regarde si tout va bien. Ok. Corps. Alors, bon, attendez, avant de partir, j'ai quand même une chose à dire. Une toute petite chose à dire. Je veux bien que ça soit un remake du tout premier Lara. Je veux bien que dans le tout premier Lara, tout premier Tomb Raider, excusez-moi, elle soit pas très habillée, mais quand même. Enfin, je voudrais pas dire, regardez, il neige, il doit faire au moins moins 10 minimum. Quand elle respire, on voit son souffle. Et on se balade quand même en short, en débardeur. Enfin, je sais pas, le froid, non, ça gêne personne. Surtout que notre guide, là, il est plus emmitouflé qu'un grizzly. Mais bon, pas grave. Pas grave. Alors. Ok, voilà, c'est celle-là. J'ai joué avec une manette, mais je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte un jour. Ok, donc à l'instant ça va, on grimpe. Donc là c'est derrière. Hop! C'est par là. Là, non. Là. Ok. Alors. Non.
Ok, le grappin, c'est ça. Attends, on lance loin notre grappin. Allez, Lara! Voilà. Oh, mini-lag. Ok. Tiens, regardez, il est plus emmitouflé qu'un... Oh, ajustas. Mira. On y est. Ya llegamos. Ok. No sé cómo abrirlo. Je sais pas qui c'est qui l'a doublé, mais il a dû se faire plaisir. Alors, pom pom pom. Là. Ok, si au cas où tu l'avais pas vu. Oui, c'est bon, je l'ai vu. Attendez. Lara, qu'est-ce que tu fous? Caméra, qu'est-ce que tu fous aussi? On fait Tarzan. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ici. En haut. Alors. Voilà. Donc j'imagine que... Voilà, c'est ce machin-là. Et merde. On a quand même vu qu'elle a clairement tiré à côté du loup, mais bon. Non ! Ok, bon. Alors. Ok, pour faire une roulade, c'est comme ça. Ok, évidemment, Lara, t'aurais pu maigrir quand même avant de passer. Oula, là, oula. Là, on va essayer de rien se manger. Voilà. Alors. Ok, voilà. Alors, j'espère que ça va aller. Je vais voir sur. Je vais voir au montage si la vidéo est bien. Sinon, je ferai mes réglages pour que ça soit beaucoup plus fluide pour vous. Donc, je vais faire un épisode pas très long au début pour voir si tout va bien niveau... Oula, là, je vois que j'ai des petits lags. Je changerai tout ça pour que vous ayez plus de lags. Et moi aussi, ce sera mieux. Ok, mais on va où, là? Ah oui, artefact. Là, grimpe Lara. Non, j'ai dit ramasse Lara. Lara refuse de coopérer. Ok, donc là. Ok. Ah ok, on a fait le tour. Oui, comme je disais, je ferai tous les réglages. Lumière, son. Là, je vois ça. Ok, on se fait attaquer. Venez, biatch! Vous avez cru quoi? Où j'en étais? Oui! Je réglerai frappes aussi pour que ce soit mieux pour vous. Ok, c'est une trousse. Trousse de soie. Toujours mieux que rien. Oula! C'est quoi? C'est la caméra fan service, c'est ça? Oui, mais ça... Non, je... Ok, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va surgir. Oula, qu'est-ce que tu m'as fait, Lara? Qu'est-ce que tu fais, là? Non, c'est là.
Voilà. Non mais oh. Point de passage, ok. Tu peux pas faire... Voilà. Ah, je galère un peu avec la caméra parce que c'est inversé. Je suis pas habituée. Alors... là. C'est le bouton Y. Et je sais pas si je vous l'ai dit. Je joue en fait avec une manette de Xbox. Ah oui. Pour vous laisser tomber. Ok. C'est là. Qu'est-ce que c'est derrière? Ça le fait? Oui, ça le fait. Ou ça le faisait pas. Ok. Et bah voilà. Premier fail. Mais oh. Faut pas pousser non plus. Je remonte par où? Par là. Écoutez, il en fallait bien. J'aurais mieux aimé qu'il ne se déroule pas, mais que vous voulez que je vous dise. Ça m'apprendra. Allez, c'est reparti. Hop. Ah, cette fois-ci, on fait plus de conneries, Lara. Hein. Là. Là. Tourne. Tourne, Lara. Voilà. Bon. Non, c'est pas ça que je voulais. Ça, ça. Voilà. Peut-être monter un peu haut là. Ça le fait. Attendez. Hop, hop. Alors, cette fois-ci, on fait pas de conneries. Voilà, sinon je peux pas aller plus loin là, hein, donc t'es obligé de... Ok. Un autre artefact. Voilà. On va par où maintenant? Attendez, je vais descendre pour essayer de m'y voir. Bon, voilà. Et là, on fait quoi? On se laisse tomber? Suicide? Non, ça passe. Attendez, je vais essayer de me soigner quand même. Voilà. Parce que bon... Non, pas là, par là, c'est pour monter. Par là, je pense... Voilà, ça m'a l'air d'être par là. Alors, là, hop, hop, hop. Point de passage. Merci. Je crois que dans mon souvenir, parce que j'y ai joué un peu quand même au jeu il y a, il y a quelques mois quand même, il y a des loups par ici, je crois. Attendez. Gagné. Donc on va faire notre biatch, on va se mettre là, on va essayer de les tuer si on peut. Bonjour. Attendez. Ah c'est mieux. Bonjour. Excusez-moi. Je voudrais vous tuer en fait sans prendre de risques. Ça me ferait un peu chier de perdre de la vie comme ça. Ah merveilleux. Voilà. Non mais c'est pas besoin de faire la musique. Ok, là il y a un artefact, on peut pas y aller. Ils sont déjà morts. Ok. Hop. Trousse de soins, c'est bien parce que j'ai quand même gaspillé la première comme une idiote. Ok, je pense qu'on... Nous... Je pense sans savoir que nous pouvons... Ah, les cadavres de loup ont disparu. Ça disparaît vite les cadavres ici. Je sais pas à quoi sert ce rebord. Je sais pas. Ils se sont dit on va mettre une petite plateforme là, c'est sympa. Go. Merde. Putain. Ok, c'est pas grave. Rien à foutre. On recrimpe. Alors j'ai cru voir un truc par là. Non, l'autre côté, Lara. De l'autre côté. Là, okay. Trousse de soins. Ok, je... Là, ok, Lara traverse les murs, tout est logique. Attendez, voilà, re... ça fait... Ouais, ça le fait. Ok, on grimpe. Attendez, j'ai... Non! Non! Et là, je me trompe de bouton en plus.
Ok. Ok, go! Ça passe. Non, là je pense qu'on peut tomber. Attendez, je remets mon casque. Voilà. Ok, c'est par là. J'ai peur qu'il s'effondre. Non, c'est bon, il ne va pas s'effondrer. C'est bon. Ok, c'est par là. Est-ce qu'il y a des artefacts cachés derrière les poteaux? Je ne sais pas. Non. Ah, j'aime bien la lumière. Vous voyez, c'est bien fait, je trouve. Ok, point de passage. Eh ben, écoutez, au vu du temps, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On continuera l'aventure au prochain épisode. Et je vous dis à bientôt si cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu ou des commentaires. Et moi je vous dis ciao, salut !